le 7-9 sur France Inter. Charline Vanhoenacker, le gouvernement projette d'ouvrir des centres de déradicalisation. Vous nous donnez un aperçu du premier entretien entre une psychologue et un candidat au djihad repenti. Oui, bonjour et bienvenue au centre de déradicalisation. Bonjour, je suis Abou. Déjà, enfin, on vient de commencer. Non, c'est comme ça que je m'appelle, Abou. Ah d'accord, oui. Parce que je vois écrit Francis sur votre passeport. Oui, non mais voilà. C'est oui, parce que, oui. Déjà, on va commencer par la leçon numéro 1. Hein? Se retenir de détourner les choses. Ça va aussi bien pour le détournement de passeport que pour les avions ou le sens du Coran, compris ? Oui, la mécréante. Pardon ? Oui, excusez-moi. Oui, madame, la mécréante. Ah, merci. Bon, alors je rappelle le principe de ce séjour en déradicalisation. Tu es entré ici à bout en criant « Allahu Akbar ». Tu en sortiras en criant « Merci Jackie et Michel ». C'est qui ? C'est un site de films de genre. Ah oui, bon, alors c'est peut-être encore un peu tôt là. Oui, allez-y mollo, parce que je suis déjà passé du Captagon à la fraise Tagada. Je suis en pleine descente là. Hein. Oui, alors mais rassure-toi, entre les deux, on va passer par certaines étapes. Mmh. Et notamment par un petit exercice de karaoké. Ah allez, bon, avec moi. Non mais non, pas la chanson, non. Non, je veux pas finir comme Faudel. Oh écoute, mais il du tien, sinon à bout tu connais la sanction. Oui, je sais, un meeting de Christian Estrosi. Voilà, et en présence d'Éric Ciotti. Non, pas la double peine. Bon, bon. Madame, oui. Est-ce que je peux imaginer un jour décrocher un CDI? Mm-hmm. Parce que jusqu'à présent, avec ma ceinture d'explosifs, j'étais en CDD non renouvelable, alors vous comprenez, c'est oui, pas facile. Oui, bien sûr. Et je suis là pour t'aider si tu as besoin de conseils sur la CSG ou les cotisations retraite. Merci madame, merci. Alors, pour te faire passer l'envie de te faire exploser, tu vas apprendre un plaisir simple, comme écouter du rock. Allez, on démarre avec les Sex Pistols, du punk. Ah, du punk? Attendez, c'est pas les types qui criaient Nos Futurs, ça? Moi, j'aime bien ça, j'aime bien Nos Futurs, moi. Non, alors on va plutôt commencer avec Bézu. Ah, Bézu, oui, tout le monde s'éclate. Non, on va faire autre chose. Alors, écoute, voilà une caisse de Lego. Oui. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à reconstituer tous les monuments historiques que tes petits camarades ont démolis au bulldozer. Madame, Palmyre, c'est pas que nous. Hein. Franchement, c'était déjà bien cassé avant. Hein. À bout, c'est l'usure du temps, c'est ce qui donne de la valeur aux choses. Bah, le temps, mais c'est ce que je dis depuis le début aux policiers. Moi, si je voulais partir en Syrie, c'est parce que Marie-Pierre Planchon, elle dit qu'il fait toujours beau là-bas. Charline Vanhoenacker, avec Guillaume Meurice et les Charlots. Merci Charline d'avoir exhumé l'apérobique. Dans 50 secondes, la météo et le journal de 8h.